Dans une vidéo précédente, je vous expliquais pourquoi j'avais passé ma formation télépilote drone professionnelle. Et une des raisons principales, c'était justement de pouvoir proposer des formations aux pilotes loisirs. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Alors ces formations payantes, à qui elles s'adressent? Eh bien, elles s'adressent à tous les pilotes loisirs qui souhaiteraient soit essayer un drone avant d'en acheter un, soit qui viennent d'acheter un drone et qui souhaitent être accompagnés lors de la prise en main, justement les premiers vols du drone, soit des pilotes qui ont justement un petit peu d'expérience et qui veulent aller un petit peu plus loin, que ce soit dans le paramétrage de leur drone, dans les réglages photo, dans les réglages justement au niveau du pilotage, dans l'apprentissage des prises de vue, dans la gestion du vol en général, et tout ce qui est après-vol, exportation des rushs, montage vidéo, etc., etc. Voilà, donc essayer d'aborder vraiment un maximum de choses, et j'ai essayé justement de faire des formules les plus souples possibles, puisqu'en fait c'est soit une demi-journée, soit une journée complète, ou soit à la carte, pour justement essayer de pouvoir répondre à votre demande, et d'avoir une formation très personnalisée en fonction de vos besoins. Alors l'idée, c'est de proposer des formations à des tarifs abordables, puisque quand on achète un drone à 500, 1000, 1500 euros, eh ben, on n'a pas forcément envie de rajouter 300 ou 400 euros dans des centres de formation. Donc moi, j'essaye justement de proposer, que ce soit à la demi-journée ou à la journée, des tarifs abordables pour que justement la majorité des télépilotes loisirs aient accès à ces formations, puissent se former, puissent être accompagnés pour les premiers vols ou pour progresser. Parce que déjà, il n'y a pas énormément d'offres pour les télépilotes loisirs, puisque la plupart des centres de formation forment des télépilotes professionnels, mais c'est vrai que pour du pilote loisir, il n'y en a pas beaucoup. Alors je suis donc télépilote drone professionnel, déclaré, assuré, ce qui me permet justement donc de proposer ces formations. J'ai également un vécu de moniteur parapente, puisque j'ai enseigné le parapente pendant plus de 12 ans, ce qui me permet d'être à l'aise sur tous les thèmes, notamment donc la météo, la mécanique de vol, la réglementation aérienne, ce qui fait qu'on va pouvoir aborder plein de thèmes spécifiques, et donc je vais pouvoir répondre à vos questions, parce que c'est vrai, donc sur ma chaîne, je reçois beaucoup de questions, de plus en plus, j'essaie d'y répondre à toutes, mais c'est vrai que là, je vous propose donc à travers ces formations payantes, eh bien une offre personnalisée, sur mesure, en fonction donc de vos attentes, parce que j'estime que déjà, il n'y a pas beaucoup d'offres, et surtout, j'ai reçu beaucoup de demandes de télépilotes, voilà, qui venaient d'acheter un drone, qui voulaient mes conseils, qui voulaient être accompagnés pour les premiers vols, ou qui voulaient justement aller un petit peu plus loin sur des prises de vue. Dans ces demi-journées ou journées de formation, on va pouvoir voir quel matériel utiliser, quels accessoires choisir, quel filtre ND acheter, quel filtre ND poser sur son drone en fonction des conditions du jour, quels réglages justement, comment bien optimiser ces réglages pour faire des belles prises de vue, et surtout comment voler en sécurité. Et donc l'idée, c'est de se déplacer justement sur des spots en conditions réelles et d'analyser les conditions météo, de choisir les bons filtres ND, les bons réglages du drone. Et donc j'ai créé sur mon blog une page dédiée sur cette formation donc destinée aux pilotes loisirs, je vous mets le lien dans la description. Pour ceux qui seraient intéressés, il y a un formulaire que vous pouvez remplir, ça n'engage à rien. Ça va me permettre cet été eh bien, de pouvoir organiser un petit circuit tout autour de la France et de venir vous rencontrer en fonction des demandes que j'aurai et de regrouper par 4-5 pilotes. Voilà, et du coup on se rejoindrait sur des spot spécifique pour vraiment mettre en pratique tout ça et voler ensemble, partager et puis se rencontrer. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et de vous proposer. Donc maintenant j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas donc à aller remplir ce petit formulaire. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.